Non, pas Jean-Claude. Mais Jean-Claude, tu as le menton. Pas un équilibre là, Jean-Claude. Ça, c'est bête là. Hey, 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 gon libonite bon bar, gon libonite bon bar, mais c'est prêt, c'est non vite. Et pas tout libonite, ton femme. Pas de tout libonite, c'est là les bêtes à Sophie. C'est pour ça que vous avez la bataille. Allez, viens, allez, 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 acte ça passé dans Mol Sélicola. Nous avons remarqué, moun yo nan dloa, soi-disant, on weke ou gon gros bagay, yap koche nan mitan dloa. Qui ça lié? Eh bien, selon ça me connaît, recherche que me fait, avec de ces témoins oculaires qui rapportent, yo di, ça me garde là, moun, moi, c'est Nicolas Kembe, yon requin. Ou konne? Yon va tellement konne non bête yon. Yon dit c'est yon requin. Vraiment vrai? Le mal fouye zon kalalou. Bête ça, n'a pas gardé sous écran là. Yon relèl requin baleine. Oui, requin baleine. Si notre information, lui mesure environ 12 mètres de longueur. Ça veut dire là, c'est pas un bagage petit. Quand sous écran, nous regardons là, nous avons plusieurs qualités d'image. C'est bête ça. Moun, moi c'est Nicolas et l'île de la Toti qui kembe de requin baleine. Tenez bien. Requin baleine non, lui vraiment long. Et c'est bête, selon toutes les recherches que je fais, c'est lui-même qui pique grand dans le poisson qui est dans le monde là. Imaginez, on bête mesure 12 mètres de longueur. Et malgré taille bête ça, et je me connais, c'est principalement bête qui est dans la mer, qui pique pacifique. C'est vraiment bête. On qui méchant notre loi et yo souvent dit requin baleine avec dauphin de vous tomber dans l'eau ou de vous croiser à voir soit qu'on nager à méthode. C'est ça on dit mon mauvaise expérience. Des amis qui font poste, mes amis m'a regardé gosse mettre ça mes amis. Moi même si moi belle que ça m'a couru mais mon et mon c'est du coup là avec et qui kembe bête ça là, il va prendre. Il va prendre. Gros amis qui font poste, nous croyons que M. Lé, Franz, Choubet, Maxéus, il dit émotion pas jamais caprimé sous connaissance, messieurs. Il dit ignorer autant de fois qu'il nous voulait courir loin, tout autant nous sentir du courage pour ça. Mais, yon le, nap gen pour nous rendre compte, c'est mal n'a fait tête nous. Il veut parler de ça, moun yo kembe, yon requin baleine, nan moun se Nicolas, yon koche bet la yon touyel. Avant de commenter sur yon sujet, nous pas konne, c'est recherche pour nous faire. Même si grand goût, ta aptiye, péché, m'pa kwe, la jam pran chance, manger graine bonite, li achete pou la le péché. Moun ki pa kon graine bonite, c'est un grain et péché ou kon utilise pou ka péché. Il dit, malgré grand goût ta va, aptiye péché ya, péché c'est moun ki pa le péché, sa ki nan la mer, moun sa pa jam pran tan pou le manger graine bonite. Li acheté pour la pêcher. Mais c'est presque même bagay là. Grand goût la misère pas ta doué faire yon population manger. Tendez oui, manger yon requin baleine. Espèce ça yon là c'est pour protéger écosystème la mer.
espèce requin baleine là déjà c'est une grosse espèce qui en voie disparition dans monde Saint-Nicolas. Nous capable que grand pile monde qui là dès qu'il donc dans pêcher bar dans la mer et si tout l'emmène nous sale, yo obligé disparaître dans la mer, y aller côté gain ibel dans la mer toujours parce que bête ça pas vivre côté qui gain des autres dans la mer. Comprenez bien. Est-ce que ce qui baleine là déjà dans voie disparition dans maintenant c'est tout pays côté autorité yo responsabilité qui dit qui prend responsabilité yo sous question la pêche yo de faire formation pour pêcher yo pour mander yo pas pêcher parce que yo fait qu'on est c'est garant dans protection écosystème dans mer yo m'a songé m'ta pli un article côté te gon bon petit messier qui t'est arrivé pêcher soit yon zwa ou bien yon gros code n'pa connait ça l'était nan lac et ti messier ça yo te touyel yo mangel ti messier ça t'est arrivé payer yon amen et puis tout yo te prend quelques jours prison parce que bête ça pa gen l nan mer pa gen l lac là et yo arrivé touyel et ti messier te dit il va te connaître si bête ça te gagne toute valeur pour l'humanité. Comprenez bien, oui? Ça, c'est pays qui est responsable. Si toi, tu fais connaître, tu dis, requin baleine, non, il y a une période spécifique. Le marché a une période ça, dans le moment, la mer chaud pour nous, dans le pays d'Haïti. C'est dans le moment mai, juin et juillet, le mai à picho. Espèce poisson, tant que carang, bonite, barré, et il dit barré, etc. C'est requin baleine qui marche avec you. Qui donc, extrémité, il dit extrémité, yo, c'est dit ou d'accord pour pas qu'il y ait espèce qui compte marcher avec lui encore. Citoyen s'en parler dans l'idée pour dire moun c'est Nicolas pour dire moun l'île et de la tortue qui kembe le kembale non, il pas gain droit pour te kembe et puis tout pour te touyer. N'a gardé son bête qui est vraiment longue. Et bête ça, imagine sous la mer, ou à quoi avec, ou à courir. Ou à dire bête là va le manger, ou bête là va le tuyau. Ou à penser son gros tonton requin qui est méchant. Mais requin baleine pas méchant. Nous regardons, il y a des gens qui plongent là, qui ont fait photo avec requin baleine. Nous regardons là, ça c'est requin baleine qui est dans la mer. Nous regardons son belle bête. Il y a des gens qui plongent avec lui. Regardez, et bien c'est bête ça. Moun yo arrivé tout yel. Yo rale mete dehors dans la mer. Malgré ça, il est tellement lourd, il pas ka rive avec sous sol. Et ensuite, on regarde gon vidéo côté moun yo getan. Si yel yo rache le getan pour viande et y a vann viande là. Bagala grave, bagala empiré. Est-ce que c'est grand goût qui la cause moun Monte Nicolas, moun, l'île de la tortue, gagon tellement atos pour yo qui fait que yo arrivé touye requin baleine. C'est question m'a posé et moi même pas de réponse. Son bête qui est vraiment rare dans la mer pays d'Haïti, nous pas facile pour joindre. Et bête ça yo pas nager bon en mer. Yo nager bien fond en bas en mer. Qui gens pour moun yo fait arriver kembe requin baleine c'est là. Bon, va connaître. Même quand regarde vidéo ça, est-ce que c'est une bonne idée moun yo fait là pour touyer yon requin baleine. Malé,
c'est une image de télévision que je dis, il faut partager avec nous. Sous plateforme qui est Production 69, côté Moun Monsieur Nicolas Kembe, yon Reke Balen, et me dit nous, Reke Balen ça, je n'ai pas son gros bête, le mesurer 12 mètres, ça veut dire là, c'est pas un bête qui est petit. Est-ce qu'elle est méchant? Je ne suis pas méchant. Je n'ai pas là, nous avons des gens qui ont nagé avec elle. Mais Moun Monsieur Nicolas, il n'y a pas qu'on est, il son gros viande, étant donné nous avons un grand goût, je prends le touillet et tout. Je préviens là pour séparer et puis pour manger avec mon Monsieur Nicolas. Bon allez, rendez-vous dans la prochaine émission pour une cabine de l'autre, c'est pas oublié. Chalet Sarté Production 69, nous là pour nous informer et nous là pour nous porter pour vous chaque dossier qui arrive chez nous et nous-mêmes, nous arrivons à confirmer, oui, exactement, lui passer dans Monsieur Nicolas et l'île de la Tote. Les gens qui le connaissent, c'est deux. Nous arrivons à comme ça. Je ne sais pas si c'est deux, mais l'image que je viens de c'est celle qui est liée. Rendez-vous dans la prochaine émission pour nous faire un autre dossier, pas oublier. Chanel, ça, c'est Production 69. Vous pouvez liker, abonner, peser sur la notification, retirer sur personnalisation et sur tout. Vous pouvez faire une vidéo pour ne pas rater. AI départemental Grand Anselin, Louis Saint César. On a dit bonjour et bienvenue sur Caraïbes FM. Bonjour, Gardier. Bonjour, Jean-Michel Dumont. Bonjour, panel Caraïbe. Bonjour, Radio Caraïbe, dans quatre pays. Et bonjour, la Grande spécialement. Oui, donc. Maintenant. Oui, très bien. Donc, information, c'est que gagné en commission qui sorti, en commission d'enquête qui sorti dans travaux publics dans le ministère là, qui allait sous place dans le cadre de dossier ça, nous avons traité dans la radio. La justice déjà a enquêté et souli question gagné de pièces que tu apprends dans Gravel, ça qui est dans la commune Roseau. Donc, qui ça qui jusqu'à présent fait? Est-ce que commission est fait travailler normalement, non? Alors, ce qui s'est lié, c'est mardi qui fait 10 octobre, là, on était informé de une commission, tant qu'on dit une commission BVTC qui est dans le département. On était vérifié l'information ça avec le directeur MTPTC Grand Anselin, ingénieur François Destine. Côté que l'ingénieur était confirmé, moi, oui, une commission d'enquête qui ont été en développement, mais son commission interne ministère. Donc, parce que, normalement, dit que, nous qui disons ça, son commission qui vient pour regarder ce que son gravel avec une affaire. Alors, ce qui concerne, pour le mercredi matin, et qui donc, dans le mercredi 11, on reste voir un groupe jeune, mélangé, fruit en co-garçon, dans le bureau de délégation qui vient. Rapportez-moi que vous êtes au courant que il y a trois membres de la commission qui ont entré sur la question gravel là, qui accompagnent le directeur départemental de PTSPA, qui actuellement, ça veut dire, côté côté à parler avec moi, qui est dans l'heure 11h30, qui est mercredi, qui est une station de radio dans la ville Jérémie. Je dis, ça a une garantie qui est utile parce que son lari a dit son commission qui vient et blanchir et puis libérer Anthony qui est en prison sous question gravel. Les jeunes viennent côté, moi j'ai agi dans le calme, et moi j'ai gardé, nous allons garder exactement ce qu'il a dit à ce temps parce que nous sommes capables de d'un humain qui peut vérifier. Et puis, moi, j'étais en antenne pour être capable de contrôler ça. Non, jeudi après-midi, l'ingénieur Fanfan de Vignolet était dans les 3 heures pour les inviter moi dans une rencontre et commission. Elle m'a dit pour le rencontrer ensemble avec moi. Donc, bien dit, non, jeudi après-midi. Et donc, j'étais là dans lundi, dans jeudi vers 3 heures. Et l'information que j'ai gagnée, la commission a quitté le département dans vendredi matin. Elle dit ça. Rapidement, et moi, dans 10 minutes, je vais retourner l'appel là. Donc, elle me réfléchit là-dessus, je me dis, bon, peut-être, la commission est capable de venir dans le Sahara, comme capable de dire que je ne suis pas disponible, je me dis, de toute façon, on a une rencontre, on reporte elle, comme capable de rencontrer la commission. Et nous avons rencontré
et jeudi 5h30 après-midi dans le bureau de délégation. Elle a rencontré et il m'a demandé commission pour être capable de partager avec moi un feuille de route ministère. Donc, j'étais présenté un feuille de route là. Et moi, j'ai dit comment on fait des routes là, son feuille de route qui m'a demandé pour les rencontrer avec toute entité qui impliquée ou du moins qui concernée dans le dossier. De dire, bon, comme on est depuis lundi que ou, au niveau Ville Jérémy, on est déjà allé sous site et côté et Gravel d'ailleurs. Et bon, plus d'informations, qui raison qui fait que vous êtes capable de rencontrer avec la délégation. Et alors que vous êtes rencontré avec un paquet de l'autre. Donc, la commission est allée à l'église, vous êtes rencontré à moi. Donc, les témoins disent oui, ma prendre côté non station de radio, t'as pas rencontre. Non station de radio. Alors, le problème, non, c'est que non station de radio, ça, son station de radio, cap défendre, ingénieur Sony, qui accusé comme monde qui vole pièce en gravel, là, qui est en prison. Son station de radio, via PDG Radio, hein? Donc, c'est Michel Abdéphane. Automatiquement, population, ouais, commission rentrée là, ils ont l'autre bagaille dans le ouais. Rencontre est finie en disant très 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 drôle. Donc, on était reposté en contrat. Et donc, quand je dis reposté en contrat pour vendredi matin. Dans vendredi matin, il y a une manifestation au niveau ville. Et fait contact avec Dirkea, nous reposté en contrat vers 5h après-midi dans vendredi. Donc, dès là, nous avons rencontré à 5h. Nous avons discuté ensemble. Nous avons discuté autour de situation qui était posée. Et moi, j'ai dit commission pour le bagage, c'est que nous connaissons que son dossier et qui est déjà devant la justice. Et il est dans le cabinet d'instruction depuis 27 septembre 2023. Nous avons dit qu'il y a une mesure conservatoire qui déjà. Et j'y vous ai déjà mis à position de demander sous entreprise qui en question. De dire ça vient permettre de ne pas avoir accès capable de 7 ans à l'autorité judiciaire. Et puis tout, on est allé plus loin pour me dire que il y a un enquêteur parmi nous qui sont concernés, qui sont directeur départemental MDPTCA, ingénieur Fonfon. Qui lui-même influencé la commission par présence dans tout côté commission ailleurs, alors que l'ingénieur Fanfan lui touché déjà par 3 invitations à la justice, et lui va jamais paraître. Il me désire commission toujours, et via rencontre que lui était fait dans la station de radio avec PDG Radio ça qui a défendu. Ingénieur Sony qui accusé qui est en prison. Donc, un rencontre a été fait le 11 octobre, mercredi 11 octobre à 11h, et rencontre a fini à 2h. Donc, on dit pour 4 points ça y est, important. L'important pour y repenser et retenir résultat enquête judiciaire là, de manière à ce que, pour enquête administrative, ça peut la faire. Pas venir en contradiction dans le résultat qui a bailli. Donc, nous avons discuté ça. Nous avons dit que la commission pas vraiment content que nous avons discuté ensemble avec lui. Donc, moi, j'ai allé plus loin pour me dire commission. Bon, je pensais que son travail est fait pour l'État, son travail est fait pour la grandance, parce que le problème grave là, avec l'usine Aspat là, c'est vrai, c'est bien l'État, mais c'est la grandance qui va le desservir. Donc, si nous gagnons un processus là déjà et gagnons une enquête judiciaire, donc il faut que nous gardions ensemble pour nous et qui résulte en enquête judiciaire là-bas avant même que nous prenions l'autre enquête. Donc, de là étant, il n'y a pas d'accord, il nous devons dire, non, mardi, nous gardions pour nous comment que nous sommes capables de repenser les bagailles. Tout ça, que c'est des bagailles que nous avons fait pour nous capables de gagner mon commission pour nous connaître exactement. Des fois, nous disons bien, même mon commission, nous gagnons une mon commission qui est un ingénieur mécanicien. Et
ingénieur Sarel Junior Moreau, ingénieur dis-moi, délégué, moi, je viens garder Gravel là. Il dit, moi, ça que mon la grandeur pense qui perd dans Gravel là, et plus que ça. Et alors, il dit, Gravel là. Il dit, moi, ça, il y a un Gravel, et Venezuela, qui vous installé. Il dit, en 2016, c'est lui-même qui désigne. Il installé. Et Gravel, ça, il n'a pas finalisé. C'était le fait que tout bon problème Haïti avec. Et signature pour question pétrole Venezuela. Et dis-moi, l'elle paraît sous Gravel, t'as dit délégué moi-même de l'eau pour une engine parce que moi paraît rien pour me déchapiller toute bagaille. Et ceci, c'est même Gravel ça, il dit c'est Gravel Venezuela, monsieur, c'est pas Gravel Venezuela, c'est Gravel l'État haïtien. C'est même espace Gravel ça, en tout noir là, qui est sorti pour t'aller dans l'autre. Gravel là. Et c'est là ça, c'est même monsieur ça, et commission Kaboul, on nous comprend si on sert Gravel, c'est deux Gravel. Il y a un Gravel tout neuf, qui est même côté avec Isinastat là, et puis il y a l'autre Gravel, l'autre bois, il y a des chapillés net là. Donc, quand il y a là, l'aile dit mon ça, l'aile dit ça comme ça, me dit monsieur, eh bien, si vous dites ça comme ça, vous dites c'est pas un délégué au palais, bon. Quand même, c'est un délégué au palais. Donc, explication ça, c'est des explications que vous voulez le bail. Non. Et le rapport que nous allons soumettre dans le résultat de l'enquête. Donc, là que nous venons prendre un côté que l'enquête là n'est pas possible parce que nous gagnons une enquête judiciaire déjà, c'est le fait que moi, et m'a caché que moi, commission a plongé directement pour le faire comprendre que ils ont un fait là intact. Il est ingénieur El Nino des dunes. Il dit, délégué, bon, ça, on pense à qui est une asphalte là intact. On dit, ingénieur, on t'a remis que oui, le mot intact. Et là, le bras, le saisir, il dit, bon, mangez-moi parce que, quand on tout perdit, il y a l'autre bagage qui perdit, mais sauf que par un top dégâts. On dit, ingénieur, tout dégâts et des dégâts, parce que pour nous-mêmes, dans la grandeur, pour l'État, pour nous, ouais, que par un top dégâts qui fait, dans ça, c'est à faire fonctionner. Immédiatement, il y a ça là pour que la grandeur soit capable de bénéficier de ça. Donc, Téléa m'a dit que c'est nettement difficile pour qu'enquête ça soit capable d'aboutir. Donc, de là étant que dans lundi 16, je crois, que c'est lundi 16, on a écrit, effectivement, lundi 16, on a écrit, on l'a fait, et côté que. Moi, je voulais le bailleur recevoir le lundi, mais le 13, on l'aide bailleur pour moi demander. Non seulement moi informer des situations et me faire des propositions pour demander pour tromper sur le résultat. Et ça qui est drôle dans le bagage là, c'est le fait que depuis la commission ça au niveau dans le département, réseaux sociaux, on a tellement, on a tellement suspect qui a veillé, parce que tout la commission qui a vu blanchir et causer grave là, c'est sur les réseaux sociaux seulement. C'est appel téléphonique, on a brûlé. Est-ce que délégué n'a pas quitté la passée parce que son commission qui vient blanchir, on dit l'État va fonctionner comme ça. Ça qu'a arrivé la commission à venir. Toutefois que moment pas approprié pour enquête là faite, parce que ça qui était antigen et dérangé là-dessus, c'est parce que avec des éléments ingénieurs à venir, des réponses, c'est comme si on te posait une question, on te demandait est-ce que tu es venu avec tout résultat enquête là. C'est là de dire non, il va venir un résultat. Je me dis, bon, de toute façon, on y pense. Parce que moi, j'ai écrit, et me copier le ministre Ousmane Pradel là-dedans. On copie le ministre intérieur là-dedans. On copie le ministre de justice là, non, correspondance là. On copie le doyen tribunal, première instance, Jérémy. On copie le commissaire du gouvernement, Jérémy. On copie le directeur départemental, MDPCCA. On copie. Magistrat communal Ozoa et me copier juge de paix qui fait mettre à positionnement de télé sous correspondance à que moi écrit côté que moi mandé nèg yo et me proposer pour repenser parce que commission population renouvel yon l'autre façon non, mais, si d'accord délégué donc jusqu'à présent et côté commission ça est-ce que il est toujours sur place Jérémy ou bien il fini avec commission et, alors hier après-midi, moi gagné un peu de mon cabrelim qui dit moi voilà, mais moi pas connaître parce que moi j'ai parlé avec membre commission yo,
c'était dans lundi soir. Lundi après-midi, là, on recevait la lettre, là, on tirait les, on parlait. On dit, bon, donc, c'est pas un problème, nous, rien du tout. Voilà, voilà, c'est le moment de Mandel. Donc, la population de Mandel, comme ça, donc, entendre la justice, c'est autour. Donc, j'ai demandé pour vous être en contact avec moi hier, malheureusement. Hier, moi, par exemple, moi, par exemple, on appelle nous. On a connaissé, on a connu le profil de la culture, bien sûr, allez. Mais, tendance, la rue, c'est ça, et comme si je ne pas vraiment quoi dans la commission ça. Premier bagage, c'est dans la station de radio, la commission de l'Alia, la station de radio qui a défendu Ensoni qui est en prison. Et on dit que le directeur départemental de travaux publics là est très impliqué dans la démarche ça, malgré une invitation pour à répondre à la question la justice, il ne peut pas aller, mais pendant la commission est venue là, il est accompagné. Alors c'est lui-même, vous mettez tous ces trois membres de la commission venu, lui-même pour un quatrième. Parce que les présidents dans tout, et c'est après, c'est Roseau Pelé qui dit nous, on va pas qu'il nous débarque sous ce site-là. On sait qu'il y a un positionnement de CLS, lui, directeur départemental là, avec trois membres de commission, et qui n'a pas droit à ça, dans le moment. Donc, avec sa population très amère sur ça, qui dit que directeur départemental là, pas qu'à au-dessus de la justice, je l'ai invité pendant trois fois. Magistrat a été invité à lui présenter. Moi-même, comme représentant de l'État, a invité à me présenter. Mais le directeur a bouclé la justice pendant trois fois. Donc, pas avant que le directeur a répondu à une question la justice pour connaître s'il est impliqué ou pas. Donc, qu'il quitte l'enquête judiciaire possible avant même qu'il ait entamé une enquête administrative. OK. Eh bien, d'accord. On a été temps. Merci un peu, le délégué Louis Saint. C'est un plaisir pour vous recevoir. C'est moi qui vous remercie, non, parce que ça fait un plaisir, parce que comme vous guerrier, téléphone-moi, pas si souvent nous sonner sous question et poser grave là. Et comme tout le monde, et ma première message là, exactement pour le ministre Rosemont Bradel, que je connais, ils ont père des familles, ils connaissent qui importance que vous gagnez dans le pays. Donc si nous déjà gagnons ça au niveau du département, donc il faut desservir le département. Et moun la grandance gagne pile nécessité déjà sur question route nous va gagner. Donc si ça arrive déjà, faut qu'on garde comment nous capable faire fonctionner. C'est pas non seulement vous en commission et peut-être commission capable bon l'autre mission, mais c'est vous en commission venir vérifier, non seulement vérifier pour nous garder pour nous capable mettre le fonctionner pour capable desservir population. D'accord, mais merci un peu les délégués. Voilà. Caraïbe FM, nous avons parlé avec le délégué Louis Saint César, délégué AI départemental Grand'Anse Pays concernant commission d'enquête. Ça a gagné trois membres qui sont sortis dans le ministère des Travaux publics qui a enquêté sur question gravelle avec usine asphalte. Ça a côté gagné un individu qui a pris une pièce là-dedans pour le mettre dans l'autre équipement paillo. Gagné un monde qui dans prison et enquête là, il est au niveau cabinet d'instruction. Le ministère des Travaux publics est lui-même est décidé pour mener enquête administrative par lui. Mais délégué a montré que citoyens ont gagné gros doute sur aboutissement enquête ça, puisque il y a des monde qui impliqué dans dossier mais qui a manigancé pour dossier ça, pas tant arrivé dans Boutli. Il fait 7h27 la gagne pour nous aller tout à l'heure dans le département de Grand'Anse avec Frankel Maginaire. Mais on nous retourne dans le studio, nous, Johnny, le temps pour nous capables de faire contact avec Frankel Maginaire. En effet, Gagné, Dieu seul, qui te nous bat information, ça, c'est seulement 17% de monde qui fait maintenant prison yo, à travers le pays, qui déjà jugé d'après collectif avocat Cap Défendre Droit Mounio. Ça qui explique phénomène détention préventive prolongée à Pape Jam qu'à résoudre. Organisation a ajouté problème divers magistrats qui viennent travailler les ouvrés. Ça la cause dossier moun qui a détention ou a traîné pour combattre tout bon vrai. Phénomène détention préventive net aléa. Kado fait plusieurs propositions by autorité concernée. Yoann Kouté, explication. Met Arnel Rémy qui se dirigeant Kado dans micro Jean-Paul lundi. Mette Anel Rémy que nous avons gagné pour nous donner dans la prochaine édition. Mais en attendant, Jimmy Critier a gêné de dire nous
que l'ité là qui était même te parlé sur question de détention préventive prolongée, j'en te dit tout à l'heure, c'est vraiment 17% monde qui ferme en prison à travers tout pays qui est déjà jugé. D'après collectif avocat Cap Défend Douamounio, nous invitons au côté explication principal dirigeant structure ça qui s'est met Anel Rémy qui t'est parlé avec Jean-Paul lundi. Nous-mêmes, dans le niveau cadeau, nous faisons partie de l'avocat qui parle de prisonniers beaucoup plus. D'ailleurs, le protecteur nous appelle, à travers les avocats du cadeau, les défenseurs nés des prisonniers. Et merci pour l'appellation. Et nous saluons le protecteur là, tout cas, font excellent travail. Ça nous dit dans le niveau cadeau, sous chaque 100 qui n'a prison dans le pénitentiaire, dans le centre carcéral haïtien, il y a 83 personnes jugées. Et vous comprenez, depuis le système n'a pas marché, c'est-à-dire, population, capacité pénitentiaire, les mêmes gens. Et j'aime toujours dire, l'intervention pénitentiaire s'est construite par les Américains vers les années 1900. Il n'est pas construit pour nous, il était construit pour 1000 personnes seulement. Et je crois que le chiffre a quadruplé, c'est pas menti. Triplé ou quadruplé. C'est-à-dire qu'il y a un phénomène de surpopulation carcérale qui résultait de détention préventive prolongée. Et non, action pour combattre le phénomène-là. Il y a un peu qui a organisé forum, il y a un peu qui a organisé une activité, le goût, l'hôtel. Non, mais dis, nous même au niveau cadeau, nous pratiquons et pragmatiquons en même temps. Comment on a résolu le phénomène ça? Je vais vous quelques points. Nous dit mais qui position de faire pour résoudre le phénomène. L'immandon effort personnel. On commence par ça parce que phénomène il résulte tout de manque d'effort de acteurs judiciaires. Bureau l'État travaille 8h-4h. Un commissaire gouvernement ou bien un juge, un greffier a 20 travail 1h. Or que bon dossier pour dire. Bon information préliminaire qui vous fait. Bon monde qui peut être devant le juge. Si juge là bien, greffier bien, commissaire 20 travail 1h. Il parle d'être si mon a 2h30 l'école. Et monde qui se compte bien qui est en prison, qui lui attendit. Maintenant, le pagetan, fait dépôt. Non, c'est des oubliés, moun. À cause de l'instabilité politique, insécurité, grève et pays loc, donc pays a fermé, un n'y a pas qu'à faire. Moun, ça t'est sous compte juge là, qui ont disposé d'être arrêté dans la prison. Nous parlons de la deuxième proposition. La numérisation de l'appareil judiciaire. Nous disons numérisation dans le niveau cadeau, c'est parce que nous voulons et nous connaissons. Dans pile moun, qui est à l'aise, qui bien, la question fonctionnement à l'ancienne salle de système là. Il y a deux machines à taper qui l'a depuis 1990. Il y a deux machines à taper dans le système là qui est plus grand partie. Tellement là, longtemps. Il y a observé avec toujours là. Ça dit pas une modernisation. Est-ce que n'est pas possible pour nous numériser le système dans le sens que on est remis de la cali dans le bureau pour dire besoin de ces tels prisonniers, besoin de ces prisonniers X, les monter sur le site prison 1, les entrer numéro dossier mon et puis toute fiche technique prisonnier. La permettre que le juge là ouais tout bagaille. État d'avancement dossier. Pour qui ça me dit ça? Leur PDK c'est pas qu'il y a tout. Dossier a perdu. Ça sont un résultat du phénomène détention préventive natalienne. Leur cas c'est pas qu'il y a dossier perdu. Pour reconstituer un dossier là printemps, on est qui devant cabinet qui est en prison, mon nègre là qui est 10 ans de prison. On sait vol batterie. Vol là sont une infraction correctionnelle qui punit de 3 ans. C'est-à-dire qu'il doit faire 3 fois peine. Maintenant, il y a cassé par cœur, dossier perdu. Pour reconstituer, refaire dossier, rejoindre information, vous savez, le constat, ça prend 1 an. C'est-à-dire, pour Pibiti, il prend 11 ans de prison. Parce que pas qu'il a cassé. Tandis que si on te numérise, si on digitalise, l'information ta place sur le serveur, maintenant, n'importe moment où le serveur a une information pour mon ça, c'est un élément qui permet de résoudre le phénomène. Dernière proposition qu'il fait, qui m'a laissé son mandat à juge, parce qu'il y a un côté politique tout. Un juge d'instruction capitaine long leg, mandat fini. Et il a gagné 4 ans en prison. Juge a gagné 2 ans pour le renouveler mandat. Ça veut dire, mon qui est en prison a gagné 2 ans. En plus 4 ans, il a passé en prison parce que le mandat du juge qui l'auditionnait a renouvelé. Voilà, on tape côté yon bout nan déclaration Maître Anel Rémy, qui lui-même c'est principal dirigeant et structure qui pote non un cadeau qui s'ensemble avocat Cap Défend Douamounio. Fok nou di nan moment là nous pral fon viré on nan ville profession pour nous garder et qui sa réalité aye pour matin mercredi 18 octobre 2023 et coup de voix c'est avec Frankel Maginaire qui lui-même c'est correspondant permanent nous notamment dans Jérémy qui c'est métropole grand ça qui pral dire comment actualité aye l'autre bois notamment pendant dernière 24 heures ça yo. Bonjour Frankel. Oui, bonjour, Johnny, Gaillé, toute équipe là. Et bonjour, la Ganda, surtout, nous-mêmes qui branchons Intira, présent, CND, et la prophétie, tant d'autres encore à travers différentes communes, départements, et Johnny, qui ont été déjà cité. Et sous thème, n'a fait combien pour protéger l'environnement, sensibiliser à faire promotion, production nationale, et la date 15 octobre 2023, c'était journée mondiale, femme rurale, 16 octobre, journée mondiale alimentation, pour te bout, la date 17 octobre 2023,
et c'était journée mondiale pour combattre pour et pauvreté et misère. Solidarité femmes haïtiennes sous ça, avec support communauté Ménonite MCC, organisé dans Jérémy, ministère Stadium Place Dina, foire gastronomie artisanale et écologique et participation. Délégué communal, Soufa qui était soutenu à travers différentes communes, tant que Pestel, Beaumont, Mouron, Jérémy, Damari, Bonbon, Abricot, qui était venu à produits locaux et Johnny, toute qualité pour te mettre en valeur production nationale. Secrétaire général, là, Soufa, Madame Bertani, Belloni, qui était rejoint délégué départemental Soufa, Madame Françoise Innocent, te mettre accent sur le travail que vous faites dans la société à tant qu'accompagner mesdames, dès que vous avez un problème quelconque, que vous êtes victime de boulot dans la société à, permettre vous-même de jouer un moyen pour que vous fassiez développement, la question de transformation, la question d'agriculture, et tout, vous êtes tenu compte pour que vous mettez toute une série de points et structures de façon à accompagner la question. Il vient pour eux avec question test sous question colmatrice, avec question problème qui est au gain l'enceinte. Comme ça, et madame et secrétaire générale là, il encourage mesdames pour que vous-même vous venez inscrire dans ce sens de façon pour capable permettre que vous développez et question qui vient pour eux avec production nationale. L'autre information, AMAD 17 octobre 2023, dans la commune Roseau, sur l'initiative. Monsieur Mackenz Mézé, et membre communauté a lancé officiellement FOMEL 509, une fondation qui a une mission à objectif de la communauté au 16 ans, faire développement dans différents domaines pour améliorer la vie. Dans le cadre de lancement officiel, là, tiré par Ouastan, et Kavé Lamou est présenté au municipal, côté qui a demandé mon Dieu la vie pour bénir. Et toute action que l'équipe FOMEZ 509 là à entreprendre et délégué et coordination Mézé Jacques Britis, Mézé et Danielo, Frémont, Hippolyte, tout ça, Junior, Addison, tout staff là, te mette tout un série de moyens de façon pour te supporter ensemble de délégués qui te sortent à travers quatre sections communales là et tout un concours qui te fait pour paysans et au côté de te bailler au crime. Et pour finir, Neb Johnny, il faut que nous, et la date qui est venue là, c'est pour le 23 octobre, il y a différentes organisations au niveau de la société civile et Grand-Anse, en partie Jérémy, qui a annoncé qu'il va faire des mouvements pacifiques, sans violence, de façon pour dire non à toute une série de monde qui a pris plaisir l'an bas de journée, ensemble l'école publique ou privée avec l'institution publique. Et on promet tout pour mettre accent sur la question qui vient pour eux avec démarche pour que la justice à travers le cabinet d'instruction que M. Jean Garry lundi a mené sur dossier sabotage et plan d'asphalte, gravel, tout ça, pour qu'il y ait une lumière qui fait selon la loi, pour que lui-même fait connaître. Il y a une commission qui vient là, commission qui se tient dans le TPTCA, on doute en pile. Dès que la commission ça, c'est le périmètre pour dire la base et directeur qui est venu mener enquête qui est logé la numéro 2. Déjà, on met en doute et on demande au ministre, lui-même rapide pour trancher sur question ça, parce que la société a pas qu'à continuer victime sous forme ça. Merci monsieur, à la prochaine. Merci beaucoup, Frankel Maginaire, qui lui-même t'a informé nous là depuis Grand-Anse, pays particulièrement métropole Grand-Anse. On a parlé de ville Jérémy, cité poète là, n'a pas quitté Grand-Anse pour nous traverser dans le sud. Probablement nous t'a doué et parler ensemble avec collaborateur nous, correspondant permanent nous, Georges Valence, qui pral dit nous comment Okaï avec l'autre zone qui sous côté lieu réveillé pour matin mercredi. Ah, bonjour Valence. Bonjour Ferdinand, bonjour Guerrier, vous saluez tout le monde qui a parlé de ces différentes stations radio dans ce pays, en tant que Radio Les Bois FM dans Ville Okaï, Radio Télé d'Abouris Campérin, Radio Sud FM dans Okaï, Radio Boule dans Ducis avec Radio Méritien dans Côte Sud Pays. Eh bien, comment la situation a été après 24 heures, après plusieurs milliers de monde qui répondent en prison dans le gros marché pacifique et commun à celui du site.
c'était hier mardi 17 octobre, là, pour demander autorité aux jeunes fonctionnaires pour Bitimel là, qui est dans Saint-Louis du Sud, et bien mon yoté sauté tout partout dans la région, hein, notamment dans ville au Caille, pour être capable de plaider en faveur bon genre fonctionnement pour ça, qui est 25 années depuis que j'ai démarré, mais qui n'est pas jamais opérationnel tout pour vrai. Manifestant, yo, demandé l'État haïtien pour taper tous les 7 km autour qui menaient vers pour ça, pour faciliter le transport fait sans problème. Organisateur qui réunit sous nos cellules réflexion pour ouverture pour annoncer diverses autres initiatives qui ont aidé à arriver abouti avec un fonctionnement réel pour celui du Sud-Lan. Yon port, selon même cellule qui a desservi grand sud-payant avec une bonne partie dans l'Ouest grâce avec un commerce capable de faire avec n'importe quel autre pays, en particulier tout ça qui est Amérique latine. Gardez les yeux, Marc-Antoine Nézi, Gérald Excellent, Robinson.